Allez, bonjour à toutes et à tous, et ici c'est Landron pour un épisode de présentation sur le jeu Ace of Spade. Alors c'est un jeu, un Minecraft-like en FPS, plutôt sympathique. Ça fait un bout de temps que je l'ai, j'ai joué pas mal en version bêta qui était absolument excellente. Maintenant il est passé en version complète, enfin ça fait un bout de temps quand même, qu'il est passé en version complète finale sur Steam. Alors je l'aime moins dans un sens, mais en même temps il est beaucoup plus fini. Bon, c'est peut-être parce que c'était la bêta et que j'ai pas mal joué, qu'il y avait vraiment des trucs super sympas, même si c'était buggé. Voilà, donc on va, je vais vous montrer un peu ce que ça donne. On va rejoindre une partie publique. Sur n'importe quoi, allez hop. Il y a plein de modes de jeu différents. Il y a la base, enfin les bases occupées, la capture drapeau classique, la capture drapeau tout court. Ça, en fait le classique c'est un peu en mode, c'est avec les règles de jeu de la version bêta un peu. Voilà. Capture drapeau, colline multiple, bon bah, pas compliqué, combat à mort, contrôle de territoire, mine de diamants, il faut aller chercher des diamants, mode démolition, il faut tout péter, VIP, il faut protéger un VIP, zombie, bah c'est de l'infecté. Voilà, il y a pas mal de modes de jeu différents, ce qui est plutôt pas mal. Je vais juste actualiser un petit peu. Ok, je voulais actualiser, pas... Ok, d'accord, attendez. On va faire un navigateur serveur, hein, vous savez quoi. Il n'y a pas de serveur. Je crois que je suis déconnecté. Connexion à Steam impossible. Et là, ce que je me disais, je suis déconnecté. Mais alors, voilà, bon, bah allons-y, hein. Cette fois-ci, je me suis reconnecté, normalement, on va naviguer. On va regarder sur les serveurs, hein, tout simplement. Alors, il n'y a personne de connecté sur les USAF. Bon, bah voilà. Une capture drapeau classique, non. Il y a pas mal de zombies. Combat à mort en équipe. Allez, hop, on va se connecter. Je vous montrerai un truc assez classique, hein, le combat à mort. Donc là, il faut choisir sa faction. Hein. On va prendre les bleus, de toute façon, il y en a un qui a de moins. Vous avez différentes classes. Hein. Donc le commando, le tireur d'élite, l'ingénieur et le mineur. Ils ont tous les quatre des caractéristiques différentes au niveau des armes qu'on peut choisir. Au niveau du combat rapproché, des armes différentes. Voilà. Bon, il n'y a pas grand chose. J'attends vraiment des mises à jour là-dessus d'ailleurs. Même si ça a un peu du mal. Moi je prends souvent le tireur d'élite. Alors le tireur d'élite, bah, c'est pas compliqué. Hein. C'est un tireur d'élite. Hein. Là il y a des caisses qui sont tombées. C'est des caisses de soins et de munitions. Hein. Alors c'est plutôt bien foutu dans le sens où ça rame pas trop, c'est plutôt joli, les maps sont plutôt bien faites. Après c'est quoi déjà pour courir? Ouais, c'est ça. Enfin, autant que j'ai pas joué. Donc, on voit des explosions aussi. Alors attendez, la map. C'est quoi déjà la map? Ouais, c'est M. Je suis où? Je suis là. Ok, d'accord. Un bout de temps que j'ai pas joué. Oula. Là, ça se tire dessus à coup de roquette. Faut se méfier. Voilà, on voit les lasers des snipers. Ouh. Voilà, 150 points grâce au tir à la tête, je l'ai eu. Voilà, donc ça reste un jeu, on voit en haut un chrono. Ah, pour l'instant c'est des verts qui gagnent, 69 kills à 51. D'accord. Ouh. Je crois que tu t'es fait buter. Oula. Je vais me faire un petit peu. Voilà, on voit le laser là. C'est un peu du coup la grosse merde. Et attendez, est-ce que j'ai pas autre chose? Non, j'ai que des mines. Je vais poser des mines. Pratique. Ah pff. Donc là, je me suis buté. Appuyez sur virgule pour changer de classe. Voilà, je vais prendre autre chose. Allez, je vais prendre le commando, tiens, pour vous montrer. Ouais, ouais. Donc le commando a un peu plus de vie, je crois. Donc lui, il a une grosse rotative qui tire très 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 vite une fois qu'elle est lancée. Mais il faut la lancer. Alors après, sinon, on peut construire des trucs hein, en prédéfini, en bloc prédéfini. Oula, ça me fait un peu ramer, là.
Voilà, donc on peut construire des trucs. Oula. Bon bah ça c'était la mine qui fait chier. Donc là il faut charger l'arme, hein, ou alors il faut cliquer directement avec le gauche. Et une fois qu'elle est lancée, ça va tirer. Oulala. Là là. Oh, mieux crouch. Ils savent que je suis juste derrière là. Oh mon dieu. Voilà. C'était pas le bon plan. Je vais vous montrer l'ingénieur peut-être. Alors l'ingénieur, c'est une classe assez sympa à jouer, donc équipée d'une mitraillette. On a un petit peu moins de vie hein, que le commando. Et pourquoi tu fous des... Mais quel abruti. Je sais pas pourquoi il y en a un qui détruit des trucs là. Parce qu'en sachant qu'il y a la gravité, donc... Ouais, vous voyez, il y a un truc qui vient de tomber. Donc là, ils sont en train d'essayer de faire un pont. Alors, il y a plus pratique pour faire des ponts, il y a ça. Genre, par exemple, un soutre ici. Alors, il y en a un qui s'amuse de tout casser. Vous voyez, le lanceur de blocs, c'est plutôt pratique. Ça permet de faire des ponts plutôt facilement. Alors, je me suis pris un coup, je sais pas comment. Ah oui, si, bah, c'est moi qui me suis mis un propre coup, je sais pas trop comment. Bon, bah, après, bien sûr, on peut creuser, là. Ça dépend des personnes, des armes. Alors. Donc, après, ça, c'est une mitraillette assez simple. Hein. Encore une minute. Bon, bah, tiens. Je suis aussi équipé d'un... Ah, il m'a touché. Bon, pas en pleine tête. D'un jetpack. Ah, pff, bon. Je l'avais vu. Je lui ai mis des coups, mais pas suffisant. Faut être délogé là, parce que là, il va tous les faire. Juste, j'aurais dû changer de classe. Bon, c'est pas grave. Je changerai de classe à la prochaine. De toute façon, il reste 32 secondes. Donc le jetpack, c'est cool. Sauf qu'en fait, ça, ouais, voilà, ça marche un peu par à-coup et puis il faut garder du carburant. Enfin, il remonte tout seul le carburant. Il faut en garder si on veut pas se casser les pieds, quoi. En descendant. Boum. Ouh, j'ai fait plein de points là d'un coup. Donc, on peut voir où est-ce qu'on en est. Bon, ça y est, et gagné. Mais c'est bon, on est mort. Hein. Bon, après on peut choisir la carte. Hein. Hop, on va prendre The Colosseum. Ah oui, The Colosseum, elle est pas mal, je vais vous montrer. Il y a plein de cartes différentes, hein, elles sont plutôt sympathiques. Ouais. Allez, on peut changer de carte là. Normalement, on doit pouvoir changer de carte assez rapidement. Voilà, ça y est. Donc, The Colosseum. Donc là, on peut ranger n'importe qui. On va prendre les bleus. Je prends le mineur. Donc, équipé d'un fusil à pompe et d'un canon perforateur, essentiellement. Alors, le Colosseum, bah, c'est un colisée, tout simplement. Ouh, je viens de voir un rayon. Un rayon sniper. Donc, c'est comme ça qu'on repère les snipers. Hein. Faut essayer de trouver un moyen de monter chez eux. Un peu le bordel. Ouh, ça c'était du réflexe. Il va exploser. Voilà. Donc je me souviens qu'une fois on avait réussi à faire tomber tout le colisée d'un seul coup. C'était absolument magnifique. J'ai fait 2 kills sans crever. C'est déjà pas mal. Et merde. Lui il se prend un coup, il faut vraiment le commando, il se fait pas one shot, faut vraiment le toucher correctement. On va garder cette classe, j'ai pas encore montré exactement tout. Voilà, c'est ça aussi qui est sympa. C'est absolument nawak.
ça fait des gros 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 trous. Voilà, par exemple, si on tire ici. Ah bah il y avait quelqu'un. Et il est en train de... Voilà. C'est pour ça que c'est assez génial cette carte, c'est que ça devient vite vraiment le bordel quoi. Voilà, vous voyez, plein d'éliminations partout, ça explose de partout. Ah! Je vais essayer de sortir de là. J'ai plus de vie. Ah, d'accord. Tire-toi, 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 tire-toi. C'est-à-dire n'importe quoi. En fait, là, il faudra vraiment un commando. On se fait exploser au commando. À nous de jouer. C'est-à-dire n'importe quoi. Te mets pas devant moi. C'est n'importe quoi, c'est pour ça qu'elle est cool cette map. Hey oh! On a même pas le temps de respawn quoi. Non mais laissez-moi respawn. Une fois que c'est ouvert là c'est la grosse galère par contre. Peut-être un peu pour ça que c'est un peu dommage. À partir de là c'est un peu fini quoi. On va se mettre ici. Boum, je t'avais vu arriver. On me la fait pas moi. Boum. Bon par contre là je suis dans le trou. Scaler par ici. Ok, je crois qu'on n'est pas tout seul. Ok, c'est un bleu qui est mort. Méfiance. Oui. Oh. Il m'a eu. Il m'a eu, il m'a eu. Bon, le fait est que c'est quand même un jeu vachement cool. Fichtrement sympathique, je vais peut-être prendre le bazook là. Quel bordel. Il y a trop de trucs, il y a trop de trous, là c'est... Merde, je crois que j'ai tiré la roquette juste devant moi. Ouais c'est ça, je me suis requitté, je me suis auto-requitté. Arrête de tout casser. Là, je vais pas avoir le temps de spawn. On se tire. Allez, où? C'est n'importe quoi. Il a plus beaucoup de vie. J'espère. En tout cas, on se fait bien exploser. Mais tout ce que je t'ai mis dans la tronche, tu ne me dis pas que tu... Ok, ok, je comprends. Okay. On va prendre ça. Tiens. Mais pourquoi moi? Hein? Je vous ai fait quoi? Dans ce cas-là, ok. Ils me cherchent, ils vont me trouver. Boum. Voilà. Ça, déjà. Il y en a un qui s'énerve là.
Et oh. Ok, d'accord. Je t'ai raté. Tire la tête. Je suis un trop bon sniper, cherche pas. Boum. Je me suis fait trop tuer. Ça marchera plus. Hey, mais te fous pas là, j'étais bien là. Ok, y a rien. Raté. Ça aurait été trop beau là par contre. Boum. Bon, là d'accord. J'étais un peu à découvert. Enfin là j'en ai mis pas mal. Là, je suis à 1500 encore. Avec un ping un peu pourri, c'est plutôt pas mal. Touché. Bon, par contre, là aussi je me suis fait toucher. Oh le trou quoi. Oh mon dieu. C'est absolument n'importe quoi. Ok, c'est un bleu. Oh le petit salaud, il était derrière moi. Oh le petit salaud. Bon. Ok, bon voilà, c'est une séquence de gameplay que je vous fais, hein, plus un épisode de présentation. Donc ça peut être très sympathique, surtout à plusieurs, il y a moyen que ce soit vraiment énorme. Je vous le conseille fortement, pour y être pas très très cher, c'est un petit jeu indé, je crois. Alors, à moins que ça ait changé depuis le temps. Ce qui est possible aussi. Et il y a moyen de vraiment s'éclater. Bon, il y a aussi pas mal de haters, mais au final, c'est plutôt bien équilibré, donc... Comme il y a peu d'armes, en même temps c'est pas bien compliqué. Ah, j'ai trop regardé quoi. J'ai trop regardé à droite. Je me suis fait avoir. Cheat. Oui bon voilà, il y en a pas mal qui gueulent au cheat. Ok d'accord, il s'est fait avoir avant moi. Ok, la tourelle, tu t'éclates. Dire qu'il y a quelqu'un là. La tourelle aussi, c'est bien sympa. Ok, il y en a un qui me vise là. Oh, pff, mais d'où qui sortent ces deux-là? C'est trois même. Ok, d'accord. Tiens, rien. Voilà, maintiens-le. J'ai fait une diversion en plus. Ça y est. On a repris un peu du poil de la bête. Boum, tire à la tête. Oula, d'accord. Il y en a deux là-haut qui s'éclatent. C'est devenu un champ de bataille, mais complet, quoi. C'est pour ça que c'est énorme, cette map. Bouge pas. Alors je l'ai tué mais en même temps je me suis fait buter quoi. Il y a mieux. En fait c'est un peu la galère ce terrain. Touché. Pas que je tombe. Ah. Pas que je tombe. Pas non plus que je me fasse choper. Boum. Raté. Boum. Éliminé. Éliminé.
Ah, pff, je me suis fait éliminer. Je suis curieux de voir combien de kills j'ai fait quand même. Je crois qu'il y a moyen de voir, mais à la fin de la partie. Ouh, petit ramage. Pourquoi ça rame autant? Je pense qu'il faut que je mette à jour les drivers de ma carte graphique. Boum! Je suis dominateur. Double élimination. Ah! Alors, je suis vraiment bon au sniper. Hein. À la différence des autres classes, je suis quand même meilleur au snipe. Ah! Ouais, d'accord. Au moment où je dis ça, je me limite suicide en plus. Ok, d'accord. Hop. Ah! Faut que je puisse remonter un peu. Vengeance. C'est ma vengeance ou la sienne? Ah ah, j'ai vu quelque chose là. C'est con. C'est très très con. Voilà, par contre je pouvais plus remonter. Avec son truc qui pète. De ce côté là c'est bien. Ah, j'ai failli me niquer au bon moment. Bon bah il reste 3 kills avant qu'il gagne. Ça va être rapide. 2 kills. Oh, j'ai pas eu le temps de le tuer. C'est Landron, récompense du Freemer. Bon. On peut pas voir le nombre de kills? On va pouvoir voir, non? Bon, bah dommage. On peut pas voir le nombre de kills. Je pense que j'ai fait un bon score. Bon, en tout cas, voilà, c'était ce Spade, donc en mode combat à mort par équipe. C'est franchement sympa comme jeu, je vous le conseille si vous avez quelques petits sous. Je crois qu'il n'y a pas grand chose à faire. Enfin, ça coûte pas énormément. En tout cas, je vous le conseille franchement si vous aimez les FPS et un petit peu les sandbox. C'est très très sympa. Bon, bah j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à partager cette vidéo si vous avez aimé, à me suivre sur Twitter, à vous abonner à ma chaîne, à commenter la vidéo. Et puis à la prochaine, salut à tous !